bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de se retrouver si nombreux. Cela faisait tellement longtemps. Nous allons, dans très peu de temps, rentrer ici dans ce jardin Bossuet. Un jardin qui va vous proposer eh bien, d'être illuminé et de pouvoir eh bien, déambuler dans ce jardin. Mais pas que. À 22h15, je vous donne rendez-vous dans les gradins, ici, parce que la compagnie des Quidam va vous proposer un spectacle exceptionnel. Thank you.
Alors, après ce magnifique spectacle, comment vous vous sentez ? Heureux de sentir le public qui a tellement envie de revoir du spectacle vivant, et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, et en fait, quelle est l'idée ? J'ai vu des chevaux, en fait. Ouais, moi aussi. Mais écoutez, c'est une histoire où en fait la compagne d'Equidame a dans son ADN de travailler sur les personnages gonflables, et en fait on arrive à faire oublier que c'est une matière tissée plastique, alors qu'on essaie de le rendre vivant, ce personnage. Et donc sont nés des chevaux en 2015, et donc voilà, on en a fait ce spectacle qui s'appelle Fière à cheval, avec le petit jeu de mots qui va bien. D'accord. Voilà. Et en fait, vous faites d'autres animaux ? Alors oui, en ce moment, il y a des pingouins qui sont, des manchots qui sont en préparation. Mais sinon, on a des personnages gonflables. Et en fait, l'idée, c'est de laisser malgré tout le spectateur rêver, de se laisser partir dans son propre imaginaire en fonction de son histoire, de là où il vient. Et effectivement, en fonction des pays où nous nous trouvons, bien, chacun se fait sa propre histoire. D'accord. Et en fait, on peut vous retrouver où alors ? Alors, la compagnie d'Equidame est basée dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse, dans un petit village qui s'appelle Étré. Ah bah, et vous n'êtes pas à côté, hein. De là. Et donc voilà, au mois de juin, on ira en Allemagne, en Espagne, en Italie. Ah, vous voyagez beaucoup ? On voyage énormément. Et on vous reverra, bon ? Nous souhaitons, avec un autre spectacle. Nous sommes très heureux de revenir. Le lieu est magnifique. Il s'y prête complètement, en tout cas, cet univers poétique. Il s'y prête complètement. Et nous, on a eu vraiment de la joie à répéter ici cet après-midi et à offrir ce spectacle aux habitants de Meaux. Très bien. Eh bien, merci. Merci à vous.